Les super-héros sont hype. Je crois que c'est un fait assez bien établi. On en bouffe partout, tout le temps, de tous les types, de tous les genres. Les gentils-héros, les anti-héros, les anti-héros en groupe, les méchants-héros, les héros-losers, les héros-très-losers, les héros-déglingués, les héros-classiques, les héros-inconnus, les héros-nuls, les héros-très-nuls, et putain, mais pourquoi ça existe ? Bref, les super-héros sont partout, et à moins de vivre dans une grotte au fin fond du Pérou, je pense qu'il est impossible pour vous de ne pas avoir été mis en contact avec au moins un héros de comics adapté au cinéma ou à la télé. Pour le meilleur... Pour le pire. You have failed this city. On aime ou on n'aime pas, là n'est pas la question. Perso, moi j'aime bien, en même temps je fais partie de la minorité qui lit réellement des comics. Même si j'avoue, DC, Marvel, je commence légèrement à lâcher. Hein. J'ai eu un gros trou de lecture après Secret Wars qui était vraiment nul à chier. Et même si je reste toujours un team Marvel, hein, à grosse de X-23, best perso ever, et bah au final je me suis beaucoup plus tourné ces temps-ci vers les indés. Et non pas Walking Dead, il y a autre chose chez les indés que Walking Dead. Lisez du CGIC, vous allez voir, ça c'est de l'indé qui défonce. Death Vigil, Sunstone, ça c'est de la bonne, surtout, surtout Sunstone. Et puis lisez Maniac Nation aussi, c'est bien ça. Eh ben moi ça, c'est bon ça. Mais enfin bref, le truc c'est que il y en a peut-être un tout petit peu trop en fait des films de super-héros là. Rendez-vous compte, si on prend 2018 comme date de départ, vu que grosso merdo c'est vraiment le début de la grande période super-héros avec le lancement du MCU, et oui oui, hein, bouffez-vous un bon gros coup de dieu, Iron Man c'était en 2008. Et bah les films de super-héros depuis, il y en a beaucoup, je dirais même plus. Et ce qu'on voit c'est qu'en 11 ans ont été faits à peu près tous les scénarios possibles. Hein. Maintenant pour tomber sur des trucs vraiment originaux, faut aller sur du grand n'importe quoi décomplexé comme Legend of Tomorrow. Ou du ultra parodique et cynique sur son propre média comme Doom Patrol. Ready for a story about superheroes? More TV superheroes, just what the world needs. Be honest, have you hung yourself yet? Par contre, pour le plus mainstream, ça devient très 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 dur de faire du contenu original. Putain, c'est comme YouTube en fait. Mais bon, ça c'est la situation actuelle. Maintenant, je vais vous demander de revenir il y a 9 ans. En 2010, à l'époque, le MCU venait à peine de commencer et le DCU, lui, allait commencer sa longue descente aux enfers avec Green Lantern un an plus tard. En gros, on a une époque où même ce que l'on appelle aujourd'hui la formule Marvel, le truc que tout le monde aujourd'hui connaît par cœur, était original. Oui, je sais, ça paraît fou aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était original ce truc. Mais bref. Même à l'époque, on s'était bien rendu compte qu'un film de super-héros n'était aussi bon que son méchant. Et donc vint la guerre des méchants. Et oui, le fait de faire un film sur des méchants, ça n'est pas neuf du tout, ça date même du début du mouvement. Donc quand Suicide Squad avait tenté de se vendre comme « Oulala, c'est original un film sur les méchants », tout comme Joker, bah finalement on est loin du compte. Mais bon, que voulez-vous, la mémoire des gens ne va pas plus loin que 5 ans visiblement. Bien sûr, si je vous dis film d'animation sur un méchant, vous allez évidemment me citer « Moi, moche et méchant » sorti en 2010, mais pourtant, il n'était pas le seul cette année-là, car cette année-là, Gru affrontait au box-office un terrible ennemi. Megamind. Oh, bravo, Metroman. Bon, vu la carrière de Gru, vous doutez bien qui a gagné. Comme quoi, les gens boufferaient vraiment n'importe quelle merde du moment qu'elle est bien marketée. C'est de la merde. Quoi ? Megamind, sorti en 2010, on raconte l'histoire de Megamind, un individu à la tête et à l'intelligence hypertrophiée qui a déboulé sur Terre après que sa planète a été détruite. Mais là, vous pensez évidemment à Superman, sauf que le vrai Superman, appelé ici Metroman, était de la planète d'à côté et a eu vachement plus de bol à l'atterrissage. Could this be what I was destined for? A dream life filled with luxury? Apparently not. Even fate picks its favorites. No big deal. A much different fate awaited me. Vous
Megamind va donc être élevé par des criminels et devenir un super méchant. Et à partir de là, on peut déjà voir une qualité de Megamind par rapport à Gru, mais on y reviendra plus tard. Et en fait, la situation initiale se base sur un cliché, celui du héros qui gagne tout le temps. Vous me direz, c'est le cas de tous les films de super-héros, non ? Bah oui, justement, c'est tellement le cas que ça a intégré jusque dans le plus profond de nos tripes. Les gentils gagnent, les méchants perdent, point. Très rares sont les films qui brisent ce cliché. Et encore plus rares sont ceux qui ont les couilles de l'assumer et de pas tout retcon au film suivant. Mais arrive notre élément déclencheur, alors que Megamind tente une énième fois de battre son ennemi en enlevant la belle journaliste. Il se passe un truc de ouf. Et là, le film devient génial. Megamind a vaincu. Ça y est, il a gagné, c'est lui le boss, et il va bien, très bien te le faire sentir. Oui, le film va jouer beaucoup, beaucoup sur la musique, pour mon plus grand plaisir. Megamind va enfin donc pouvoir se faire plaisir. Sauf que bien vite, va venir popper dans son esprit une certaine révélation. Il n'a plus rien à faire, tout est devenu trop facile, tout est devenu vide de sens, il n'a plus personne à sa mesure contre qui se battre. Face à ce désespoir, il va venir à la conclusion qu'il doit créer lui-même un nouvel ennemi et ainsi briser sa monotone existence. Mais évidemment, ça se passe pas bien. Et vu que le film est sorti il y a 9 ans et que je vais avoir besoin de ces retournements pour continuer mon analyse, je vous annonce, je vais spoiler. Voilà, on m'approche toujours de spoil sans faire gaffe, bah là, au moins, vous serez prévenus. Donc, Megamind chope de l'ADN de Metroman pour créer un sérum qu'il refile par erreur à lui, qui est amoureuse de elle, sauf que Megamind, il commence à développer des sentiments pour elle. Du coup, en parallèle de l'entraînement de son futur super ennemi, il va développer une relation avec Roxanne. Devenant petit à petit plus gentil. Et là, on retrouve encore un bon point du film. En effet, ce genre de situation avec une histoire d'amour entre deux individus que tout oppose, et qui n'est possible que parce que l'un d'entre eux cache sa véritable nature, et bah souvent c'est pas très fun. Non, en fait souvent c'est surtout chiant comme la pluie. Surtout quand le cliché va jusqu'au bout et on garde la révélation de la supercherie pour le climax final. Là, la situation va également exploser, mais ne va pas finir sur un quiproquo. Do you really think that I would ever be with you? Ça c'est cool, déjà parce que au moins la nana est claire et que le héros s'en prend encore plus clairement plein la gueule, le faisant sombrer encore plus profondément. Par contre, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde d'aller se foutre sur la gueule avec un mec qui a déjà montré qu'il avait de sérieux problèmes de cruauté et à qui on vient de refiler basiquement les pouvoirs d'un dieu, en se pavanant comme quoi on vient de lui piquer la meuf sur laquelle il avait des vues. De fil en aiguille, ils se rendent compte que c'est un peu la merdouille quand même, hein. Et nos deux compères vont tenter tout pour défaire Titan, le nouveau héros qui est en fait un méchant. Thank you. Titan has freed us. Oh, I wouldn't say free. More like under new management. Et vont tomber pendant leur recherche sur... Au passage, cette scène est à crever de rire. How did you do this? The people of the city relied on you and you deserted them. You left us in the hands of him. No offense. No, I'm with you. Mais ils vont quand même devoir s'occuper tout seul de Titan parce que Metroman, il s'en bat un peu ses super couilles en fait. Bon, en fait, il s'en bat pas vraiment les meules. Il a un raisonnement qui se tient, qui est assez profond sur une lassitude du scénario classique. Et d'ailleurs, même si je suis pas expert en comics DC, il me semble que Superman a déjà eu ce type de raisonnement. And I realized we had done this same silly charade our entire lives. I tried to get my mind off how I was feeling, but I just felt stuck. I began to realize, despite all my powers, each and every citizen of Metro had something I didn't. A choice. Et je vous laisse le plaisir de découvrir le combat final par vous-même, puisqu'il est plutôt très cool. Et on va pouvoir se concentrer un peu sur qui c'est qui est responsable de tout ça. Parce que oui, il faut dire que si le film est excellent, c'est parce qu'il a été fait par des gens qui excellaient dans leur domaine.
Will Ferrell en Megamind et Jonah Hill en Titan. Autant je pense que vous connaissez tous Jonah Hill, autant la gloire de Will Ferrell est un peu plus américano-centrée. Mais ce mec, c'est un peu le pape de la comédie américaine. Alors oui, c'est pas toujours très fin son humour, j'en conviens parfaitement. Mais croyez-moi, c'est vraiment, vraiment cool. Matez Anchorman, c'est une des comédies les plus hilarantes que j'ai vues de ma vie. En tout cas, tu sens clairement sa marque sur le personnage et il l'incarne à la perfection. Citons également Brad Pitt en Metroman qui lui aussi semble bien s'éclater et même Ben Stiller à la prod est dans le rôle de Bernard. I'm not allowed to insult guests directly. Et puis il y a même le réal qui fait un coucou vocal dans le film en doublant le père de Metroman. Et ça, je trouve ça très cool. Mais surtout est aussi à noter la présence de Guillermo fucking Del Toro en tant que consultant créatif. Ce qui est une putain de bonne nouvelle, parce que Guillermo Del Toro, c'est un génie, hein, clair et net. Donc l'avoir sur ce film, c'est quand même une autre preuve que ce film est vachement bien. Alors par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est la présence de Hans Zimmer à la musique. Le pauvre a dû se faire chier, mais d'une force. Aucune des musiques originales du film ne marque vu que la bande-son est rendue complètement trop cool par ses choix de musique préexistantes. Oui, et d'ailleurs, tu sens quand même que Iron Man, il a été d'une certaine source d'inspiration au niveau musique. Et je ne vais certainement, mais certainement pas m'en plaindre. À ce stade, vous aurez déjà compris que Megamind est un excellent film du début à sa fin. Pour plusieurs raisons, raisons que nous allons évoquer en le comparant à son adversaire de l'époque, à savoir Gru de Moi Moche et Méchant. Bah oui, fallait bien les comparer un jour. Alors, on va être clair, Gru n'est pas un personnage intéressant et son univers l'est encore moins. Déjà au niveau du mental, il est clairement plus intéressant de suivre un méchant qui s'assume comme Megamind plutôt qu'un méchant qui n'est méchant que pour faire plaisir à maman, j'ai l'impression. Ensuite, pour ce qui concerne l'intégration au monde, car c'est de cela qu'il s'agit au niveau thématique, à chaque fois le méchant va devoir prendre la place du héros et s'intégrer à son monde en tant que figure positive, et si Gru le fait au travers de trois gamines purement insupportables qui ne servent qu'à servir d'ancrage pour le public jeune sans être un seul instant caractérisé ou développé, plus qu'un simple trait de caractère, Megamind lui le fait au travers de sa relation avec Roxanne, une relation qui va changer les deux personnages en profondeur et leur faire avoir aux deux une nouvelle vision de l'autre et donc les faire évoluer. En clair, Megamind devient un héros pour protéger la femme qu'il aime et qui l'a fait profondément changer. Gru lui devient gentil par pur hasard et n'a quasiment aucune évolution de personnage si ce n'est qu'il a visiblement réglé ses problèmes avec sa mère. Superbe accomplissement pour un film de super-héros, j'en suis super content. Et ensuite, elle est mignonne. Elle est mignonne, bordel de merde. Bah oui, hein, si je dois comparer les deux, je vais évidemment parler de ces saloperies de mignonne. Alors, dans Megamind, Mignonne est ce qui se rapproche le plus d'une famille pour Megamind. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour lui depuis sa naissance et pour qui il éprouve un profond amour. C'est d'ailleurs ce qui rend leur scène d'engueulade aussi intense, parce que c'est son lien le plus fort avec le monde de son ancienne vie. De plus, Mignonne reste un perso avec une vraie personnalité bien développée et une vraie voix de la raison dans cet univers. Et les mignonnes de Gru. Est-ce vraiment la peine que j'en parle? Sérieux? Sérieusement? Ils sont stupides, infantilisants, débilisants, abrutissants, complètement inutiles et sans aucune personnalité. Non mais sans rire, la seule raison de leur existence est de vendre des jouets moches et faciles à faire. Bah oui, un design simple comme ça, c'est comme pour les porgs de Star Wars. C'est pour en faire des jolies peluches hors de prix que les parents seront bien obligés d'acheter pour leurs marmots. Et évidemment, le mercantilisme et la stupidité ont gagné, parce qu'on se retrouve avec toute une saga, moi moche et méchant, bordel de merde. Alors que Gru ne peut absolument pas se comparer à Megamind. Putain, Megamind est de l'étoffe des grands méchants que nous adorons. C'est un Joker qui met autant de soin dans sa présentation, si ce n'est plus que dans ses propres plans. C'est un vilain et à la fin un héros avec un vrai sens théâtral et un vrai sens de la mise en scène. Et il s'éclate dans ce qu'il fait. Ah, citons aussi le fait que Megamind est un film foncièrement plus drôle que Moi Moche et Méchant, et même un film qui prédit l'avenir. And I love you, random citizen. You're breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking.
Enfin bref, vous l'aurez compris, Megamind est un film excellent, une vraie petite pépite d'originalité, quand on le remet évidemment dans son contexte et surtout dans sa date de sortie. Un film qui étrangement se concentre quand même bien plus sur les personnages et leurs tourments intérieurs que sur un bête affrontement linéaire du bon contre le méchant. Un film qui avait totalement anticipé la grande vague des super-héros et même qui s'en moquait par avance. Un film qui est en tout point supérieur à l'entièreté de la saga Moi Moche et Méchant. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais le premier Moi Moche et Méchant, c'est le meilleur des trois, hein. Et c'est déjà pas fameux. Alors je vous laisse imaginer la tronche du reste. Et je ne parle même pas... J'arrive pas à appeler ça un film du truc mignonne. Quant à Megamind, je ne peux que vous enjoindre à donner ou redonner une chance à ce film qui préfigurait totalement la grande vague de super-héros que nous expérimentons tous depuis maintenant plus de 10 ans. Quant à moi, je vous enjoins à rejoindre le Discord, qui est un endroit très sympa où je suis quasiment tout le temps, à faire un tour sur le Tipeee, si vous avez envie de soutenir la chaîne, ce qui me ferait, je vous avoue, très plaisir, à regarder un maximum de bonnes animations, à brûler vos copies de Moi Moche et Méchant, et à brûler vos mignonnes, parce que c'est vraiment de la merde. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut !